Face à la crise en Syrie depuis 2011, est-ce que vous diriez, Monsieur Boutros-Ali, que finalement l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a fait la preuve de son impuissance totale et... Je suis tout à fait d'accord avec vous que les Nations Unies sont en faillite. Je ne veux pas le dire depuis mon départ, mais enfin les Nations Unies passent par une crise extrêmement grave. Elle a besoin d'un renouveau. Le renouveau, c'est très simple. Au moment où il a été créé, il n'y avait qu'un seul acteur, qui était l'État. Et il n'y avait que 50 États. Aujourd'hui, il y a d'abord 200 États, et deux, il y a des nouveaux acteurs non étatiques qui sont plus importants que les États. Lesquels, par exemple ? Les organisations non gouvernementales, les unions parlementaires, les mouvements politiques qui ont besoin d'être représentés, si vous voulez démocratiser les Nations Unies.